Bonsoir, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo assez particulière en fait, parce qu'on va découvrir comment étaient les sites internet qu'on a aujourd'hui avant. En gros, j'ai un outil qui s'appelle tout simplement Wayback Machine, donc c'est un site internet hein, pour changer. Donc Wayback Machine archive internet, et donc là on va venir taper notre site, par exemple, je sais pas, voilà, hop, notre petit site, Browse History. Est-ce que vous êtes prêts à voir à quoi ressemble YouTube, du coup, en 2005, quand ça a été créé? Donc il faut savoir que YouTube avant était un site de rencontre. Est-ce que vous êtes prêts à voir comment était YouTube avant? 3, 2, 1, voici YouTube. Ah, c'est bizarre. Mais vraiment, regardez-moi ça, en fait. C'est horrible. Donc là, on est le 9 avril 2005. Donc on va tester plein de petits sites comme ça. Donc nous voici sur Instagram. On va directement aller sur un endroit où ça a été pris. Mais non, c'est ça? Donc là, c'est vraiment un Instagram, là, genre. What? Mais c'est quoi ça? Ah ouais, c'est perturbant. Ah, on reconnaît pas du tout l'interface, en fait, il n'y a même pas à marquer Instagram. Hein. Donc, on va passer au prochain site, qui est directement le site de RhinoShield. Non, je rigole. Donc, directement, on va aller sur le site d'Apple. Donc, comment c'était le site d'Apple il y a très longtemps? Donc, c'est parti pour découvrir comment était le site d'Apple il y a très longtemps. Donc là, la première archive est de 1996. Ça existait déjà? J'espère que vous êtes allé voir ma vidéo qui parle de l'iPhone 12. Hein. N'hésitez pas à aller. Recommandation juste ici. Alors, on va aller là en 1997, et donc c'était le 4 avril 1997. Hop, on clique là-dessus. Quoi? C'est comme ça? Oh là 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 là! Oh, mais c'est hyper perturbant! Mais c'est incroyable! Donc ça ressemble à ça. Alors, on va un peu en... Allez, on va aller en 2002, voilà, histoire de voir un peu qu'est-ce qu'ils avaient comme produit. J'adore cette vidéo, d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Hein. Alors, you have a small business get... Mais mec, c'est stylé en vrai. Là, c'est le prix at just 1699 $. C'est rien. Bon, après, maintenant, on a des Mac Pro à 67 000 €. Donc, ça, c'est stylé. Oh, attention. Attention. Oh, mais là, ils ont inventé l'Apple TV. C'est là. Mais attends, c'était déjà stylé, là, à l'époque. Oh, introducing iPhone. Mais non. Mais c'est tellement stylé. Regardez un peu comment ils faisaient la pub pour l'iPhone. C'est génial de voir ça quand on a l'iPhone 12. On va aller archiver ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller le faire. Voilà, hop, hop, save. Et hop, voilà, comme ça, ma chaîne est en train de s'archiver, en fait. Bon, écoutez, je suis plutôt contente de faire cette vidéo. Mais, en tout cas, n'hésitez pas à me proposer vos sites dans les commentaires, tous les sites que vous voulez aller voir. Qu'est-ce que je ferai? Je ferai une partie 2, bien sûr, si vous mettez un minimum de pouces bleus. Je dirai à peu près 15 pouces bleus. Et si vous me mettez les 15 pouces bleus, je fais une partie 2. Donc voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, avec la cloche. Voilà, donc on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.